être vieux et avoir des rides plein le visage, des rides sur les mains, des rides qui trahissent mon âge. Je veux être vieux pour voir les enfants de mes enfants et même les enfants de leurs enfants. Tout ce que je sais, c'est que je veux être vieux pour continuer de vivre avec toi, voir le temps t'esquinter comme il le fera pour moi. Je veux être vieux pour ceux qui ne le seront pas. Bonjour à tous, moi c'est Aurélie Guibou, professeure de Modern Jazz. Je suis très heureuse de partager ce premier tuto avec vous sur la Neodance Academy. Merci, merci pour votre confiance. Aujourd'hui, on va danser sur Je veux être vieux de Slimane. Donc vous prenez bien 15 à 20 minutes pour vous échauffer, votre bouteille d'eau, et on y va. Donc on va commencer en petite parallèle, large en bassin. Toute l'intro musicale, elle est pour vous. Vous rentrez dans votre oreille, dans votre mouvement. Juste à la fin, juste avant qu'il commence à chanter, on va aller chercher dans l'arche une projection du sternum vers le plafond. De là, on va venir incliner sur la droite. Vos bras sont complètement relâchés. Par contre, vous gardez bien l'ouverture au niveau des épaules. La tête ne vient pas chercher l'épaule, on garde de la distance et de la hauteur. De là, on va venir chercher le côté gauche en diagonale basse. D'accord ? Donc, on va garder cette même position d'épaule et venir chercher son regard un petit peu vers le bas. Votre regard, il n'est pas vers vos pieds, il est vraiment au plus loin dans la diagonale basse. D'ici, on va venir changer l'inclinaison du buste et en même temps développer le bras droit sur votre côté droit dans la diagonale haute. Ce que j'aimerais à ce moment-là, c'est vraiment qu'on sente l'opposition de votre bras et de votre tête. D'accord ? Donc vous devez sentir un étirement au niveau du trapèze. On est ici, on vient chercher loin avec le regard. Je développe, je change l'inclinaison. Et je pose au maximum ma tête et mon dos. Au niveau de votre tête, vous devez vraiment avoir le profil droit vers le public. D'accord ? Ne relâchez pas d'un côté ou de l'autre. Clac. Bien. Placé vers la gauche. On va garder exactement le même principe et aller chercher de l'autre côté pour regarder sa main. Donc le menton tire vers la gauche et va venir chercher vers la droite, cette fois-ci en haut. De là, vous allez avoir deux notes de piano. La première, on va prendre un tour pour finir dans la même position au public. La deuxième, on va relâcher vers le sol. Donc, pour prendre votre tour, on n'a pas beaucoup d'élan, on n'a pas de préparation. Donc, vous allez faire un léger plié et une petite impulsion avec le bras. Comme si vous alliez faire un cercle, à part que vous allez l'arrêter. C'est-à-dire qu'on va prendre l'impulsion en commençant ce fameux cercle, mais de suite, on va aller chercher la hauteur, le plafond. Donc, on prend le tour sur sa jambe gauche, jambe d'appui. On tourne vers la droite. Et la jambe droite, elle, alors il n'y a pas, elle n'est pas en l'air, pointée, etc. Elle va traîner dans le sol. D'accord ? Donc, 7, 8, et puis, tire, lâche. Donc, quand vous arrivez du tour, on a dit jambe gauche, intention vers le haut. On va placer son gros orteil contre le sol pour laisser glisser la jambe en très légère diagonale derrière. La jambe est légèrement pliée, légèrement, pour venir chercher le genou, l'intérieur du genou contre le sol. Vous ne devez pas sentir de gros impact, donc vous gardez bien votre poids sur la jambe gauche, même pendant la descente. Donc,
on est ici. Je vais juste donner une petite attention vers l'arrière pour ensuite laisser faire mon dos, mon bras, ma tête et arriver au sol. Vu que j'aimerais quand même que ce soit un relâché puissant à la fin, vous pouvez, avant d'arriver, clac, avec la main et la tête, on va venir chercher le sol. Allez, on refait ça. Je vous dis les paroles, le piano et on continue. 7, 8, on est dans l'arche. Je veux être vieux. Piano, piano. Ok. De là, on va avoir la main droite, donc celle qui vient de taper au sol, qui va venir chercher le cou. La main gauche qui va venir se placer dessus. On est vraiment les deux mains au niveau du cou. Par contre, c'est doux. D'accord? Il n'y a pas de « je vais m'attraper », ça c'est pour après. Léger, léger. Je vais opposer mes mains et mon buste. Donc mes mains vont avancer, toujours en étant croisées, et mon buste va reculer. Au niveau du regard, c'est comme s'il y a quelque chose que je ne voulais pas voir. Donc je vais l'amener dans ma diagonale droite. Chou, clac. Pour amener un petit peu plus d'attention, pensez à appuyer au niveau de votre hanche, ici, pour aller chercher, clac, l'intention du dos vers l'arrière. Poum, poum, chou, clac, ici. On refait 7, 8 et léger, léger, recul, là, fort. Par contre, là, on va faire la même chose, mais en attrapant au niveau du cou et comme si on vous attrapait vers le haut. D'accord? Donc, il y a vraiment, là, c'est très fort. Vous arrêtez presque de respirer à ce moment-là. Hein, et... voilà. Donc, chou, chou, pan, et. Donc, vous voyez, le fait qu'on me tire, qu'on m'attrape vers le haut, ça me fait même monter le talon et glisser le genou derrière. Chou, clac. Pour relâcher, et ça nous fait même rebondir. Chac, on laisse le poids, on laisse le corps faire ce qu'il a envie de faire à ce moment-là. Main léger, léger, recul, attrape, je lâche. Yes. De là, on va laisser faire ce rebond et les mains vont avancer et je vais amener mon buste, mon visage et mon attention vers les mains, vers l'avant. Donc, pour les paroles, et avoir des rides plein visage. Donc là, il dit plein de visage, mais au jeu, on démarrera sur un autre mouvement. Donc, et avoir des rides plein visage. Donc, ce que j'aimerais voir, c'est là, on va avoir une jambe tendue, la jambe qui est au sol, et là on va directement inverser. Chou, clac. D'accord? On ne reste pas sur le tendu ici. Ça fait vraiment un transfert de poids. Je place d'abord mon pied gauche, je suis plié sur ma jambe droite, mon poids principal est sur ma jambe droite, et j'inverse directement. Chou. Yes. Quand vous allez inverser sur votre jambe gauche, il y a une petite contraction qui va se créer ici. Chou. Tac. Je place mes pieds, je roule sur les fesses. Donc là, vous allez avoir un changement de jambe. On vient d'arriver ici, on a la jambe gauche pliée, la jambe droite tendue. On ne décolle pas ses pieds du sol. D'accord? On roule sur les fesses. Et là, j'ai la jambe gauche qui va passer devant, au-dessus, pour venir me placer sur mon genou droit et mon pied gauche est en appui devant. Il va être très important. Placez-le bien dans votre diagonale. Vous allez transférer votre poids sur la jambe gauche. C'est pour ça que vous avez quelque chose de très important. Ici, et vous allez venir chercher votre main gauche sur le côté. Tac. Je place et je vais envoyer ma jambe droite. Allez, on reprend deux visages.
Donc, on est au sol et j'avance. Visa, je contracte et on monte en voie contracte. Et relâche. Yes. Donc, quand vous êtes arrivé ici, que vous allez passer votre main gauche, vous allez envoyer la jambe droite, elle va glisser dans le sol. Elle n'est pas en haut. Elle reste dans le sol, donc on n'est pas au tendu, la jambe, le plié est tranquille. Elle reste dans le sol, on essaye de faire un tour complet, tac, pour finir sur l'avant. N'oubliez pas, c'est un tour, donc vous avez le spot, le regard, qui doit rester au maximum dans votre diagonale. On est ici, j'envoie, tac, je bloque. Le bloquer à la fin, où on y met un petit peu plus de force, c'est sur le main, d'accord? Et des rides sur les mains. Donc là, vous étiez à visage, papapam, et des rides sur les mains. On ne bouge plus. Ok? Donc là, c'est libre, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose que moi. Vous pouvez contracter avec les regards vers le bas. Vraiment, c'est ce que vous voulez, mais qu'il y ait une tension forte sur le main et on reste. Regardez ce petit temps pour nous. Donc on est ici, contrepoids, le buste va aller vers l'avant pour déposer les fesses délicatement au sol. On va envoyer la roue là. Je roule à droite, donc je vais tendre mon bras droit à la seconde et je vais aller chercher ma main gauche au sol. Mes orteils vont aller directement chercher le sol. Je roule bien sur l'omoplate, l'épaule sur le côté. Je ne roule pas sur l'arrière de ma tête. Si vous êtes à gauche, vous allez juste faire l'inverse. De là, clac. Je place mes orteils. Donc là, je ne suis pas tendue au maximum. Et je vais étirer doucement. Clac. En gardant mon appui avec ma main gauche. Mon coude déjà replié et mon bras droit tendu sur le côté. De là, je vais reprendre mon appui avec ma main droite et par la contraction. On ne monte pas par les fesses, par la couette. On monte par les fesses, mais c'est la contraction des abdos qui va engendrer le mouvement. Donc de là, je vais lâcher les orteils et par la contraction des abdos, je me remonte pour venir m'élever et atterrir sur les genoux. Et là, chou, ça va être un accent très fort. Donc ça va être sur H, A. J'aimerais bien que vous arriviez vraiment à avoir le début du mot. Donc on va venir déposer tout l'avant-bras au sol et la paume de la main. D'accord? Donc ça va être sur l'arrière, je vous montre. Il va vraiment y avoir tout ça très fort en contact avec le sol. Donc on va venir chercher la diago gauche derrière. D'accord? En même temps que ça, on va venir attraper son cou, vraiment, pas semblant, d'accord ? On attrape, serre un petit peu, et le coude pointera au plafond. Okay ? Donc tout ça en même temps, ta ta ta, mon âge, ici. Au niveau de la courbure, on ne va pas relâcher, clac, le ventre et le bassin vers le sol, au contraire, on va pousser sur son coude. On va grandir et là, on marque un petit temps d'arrêt dans cette position. On refait et on continue. Et avoir des rides sur les mains, des rides qui trahissent mon âge. Je veux être, je pousse sur ma main derrière pour m'aider à remonter. Vieux, clac, serre, on coupe le bassin. Qui relâche. On va avoir deux notes de piano. La première, mon bras droit va venir chercher sous mon bras gauche, d'accord, dans le trou là, clac. Je vais rentrer, plier ma jambe droite pour déposer le côté de ma jambe, tout et tourner sur le dos les deux bras à la seconde. C'est assez rapide. Donc, et bien pour être très énergique et contrôler votre mouvement à ce moment-là. Donc je vais être vieux, on est ici,
piano. Piano. Donc le deuxième piano, mouvement libre, mais juste quelque chose qui va vers le haut. Espace. Et ça relâche. Dès que vous avez fait le deuxième piano, que vous relâchez, vous allez engager directement le mouvement suivant. Donc je vais, comme si j'allais faire une petite boule vers la gauche, mon bras droit va passer au-dessus de ma tête et venir devant mon visage derrière pour m'aider par la suite. Donc je place ici. D'accord ? Vous avez vu, je ne suis pas complètement en boule. Hein, c'est vraiment comme si j'y allais. J'ai mon talon gauche qui s'est rapproché au maximum de ma fesse gauche. Mon bras continue, je vais ramener la jambe droite. J'ai mes deux mains devant mon visage qui vont m'aider, c'est-à-dire que je vais pousser dessus pour venir me retrouver sur les deux genoux. Et mon bras droit qui a fait tout le tour et qui revient en passant par la poitrine et qui vient s'étaler à la seconde avant. Donc là, j'ai mes deux talons sous les fesses, mes genoux dans le sol, mes épaules qui essayent de récupérer le sol et mes deux bras à la seconde. Je vais plier mes bras, tourner mes mains, c'est-à-dire que les paumes de main qui lâchent le plafond pour venir chercher le sol. Alors c'est plus les doigts, hein. Si vous ne pouvez pas avoir vraiment les paumes de main au sol, c'est pas très grave. C'est juste pour vous aider à donner la propulsion nécessaire pour remonter. Quand vous remontez, ça dépend après des qualités de dos de chacun. Lâchez bien pour donner cet effet ici. Donc on est là, claque, lâche, place, main, relâche, enfin, direct avec la tête derrière l'arrière. Et claque, bien placé ici. Dernier mouvement de la première partie. Je croise mes bras devant moi et je vais donner un impact fort sur une note de piano. Donc, n'allez pas chercher trop loin, vous aurez moins de force, moins d'intention. Donc c'est vraiment proche de vous. On vient taper la main au sol, regarder sa main et en même temps le bras, comme au début, va venir développer dans la diagonale. Et bam! Donc au niveau des paroles, déride sur les mains, arrêt, déride qui trahissent mon âge. Je veux être vieux, piano, piano, et voir les enfants de mes enfants. Et direct, vous allez avoir la note de piano qui est quand même très marquée, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc on a fini la première partie ici. On la revoit du début, sans musique. On accélère un petit peu et après on voit tout sans musique. On a fait notre petite impro. Sur la fin de l'intro musicale, on vient finir dans l'arche et inclinaison. Je veux être vieux, piano, relâche, et avoir des rides, plein visage, montrette, et place à la jambe gauche, la main, envoie, avec, et contrepoids, orteil, et main, par les abdos, chou, je veux être vieux, piano, piano, et chou, chou, enfant, enfant. Et yes, à la musique. Je veux être vieux et avoir des rides plein le visage, des rides sur les mains, des rides qui trahissent mon âge. Je veux être vieux,
pour voir les enfants de mes enfants. Donc, on est ici, main de piano, main bien ancrée dans le sol, le bras dans la diagonale derrière. On va revenir croiser les bras sur l'avant, pour cette fois-ci venir chercher la main un petit peu plus vers l'arrière, déposer le bassin sur la droite, et ramener les pieds devant, en posant aussi la main gauche derrière, au sol. Là, il dit, et même les enfants de mes enfants. Piano, et même les enfants, ici. Donc, on remonte, bassin, suivant votre dos, vous prenez la longueur qui convient, on relâche, et les bras poussés, continuez à monter vers le haut, et même les enfants. Contraction, continue à monter, contraction de mes enfants. D'accord ? Donc, et même les enfants de mes enfants. Yes. De là, on va avoir une petite note de piano encore une fois, où on va faire glisse en sol ici pour venir chercher chou, une préparation. Donc là, on est en quatrième, en dehors. D'accord ? Ici, et on va venir chercher un tour coupé chevilles. Donc ça fait droite, gauche. Sur le piano, je démarre mon mouvement. C'est le coude qui va commencer à partir. Chou. Préparation. Tour coupé chevilles derrière. Et bras qui viennent par le bas. Monter progressivement pendant le tour. Le tour, on en fait un ou deux, c'est pas un souci. Par contre, si on en fait, on fait attention à la musique, de traîner un petit peu plus la suite, de ralentir un petit peu pour rester en musique. Donc, mes enfants, piano, tout ce que je sais, je glisse. Donc, j'ai gardé bien mon spot de ma préparation, ma direction pendant mon tour. Tac, 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 tac. De là, je vais faire glisser ma jambe droite dans la diagonale gauche. Clac, j'envoie mon buste en contrepoids de l'autre côté et je pousse bien mon genou gauche pour ne pas venir me faire mal, rentrer mon genou vers l'intérieur. D'accord ? Je pousse vers l'extérieur maximum. De là, je vais venir chercher les mains sur l'avant et en même temps, hop, ramener ma jambe derrière moi, sous moi. Ici, pour venir rouler sur le ventre, changer mes jambes de côté, garder le retard de buste ici pour garder la tête face au public, rouler sur les fesses et remonter. Yes. Pendant le tourner au sol, on va y rajouter une petite tête pour marquer un petit peu plus les paroles. Donc, tout ce que je sais, c'est que je veux être. Ok ? Allez, dernière fois tout ça. 7. Piano. Ramène. Derrière. Place les pieds devant. Pousse. Monte. Courbez, recul. Piano, spot de go, lâche contrepoids, ramène la jambe dessous, sèche-le et remonte. Yes. Ok, on continue un petit peu. Donc, c'est que je veux être vieux. Donc, je veux être, on a roulé sur les fesses, on est ici. Sur le vieux, on va envoyer la jambe en attitude. Mais elle va venir en fait en dedans pour nous embarquer dans le tout. On va l'envoyer sur le côté et en dedans, d'accord ? Elle va arriver ici, monter et elle va passer en dedans pour venir s'enrouler à la cheville pendant le tout. Le bras, on va le monter en même temps, choum, choum, et il va relâcher pendant qu'elle vient à la cheville. Je veux être
La deuxième, elle est pendant la chute au sol ou le saut. D'accord? Donc là, il va y avoir plusieurs options. Vous choisissez surtout, vous ne faites pas la troisième option si vous n'êtes pas dans les conditions idéales, s'il vous plaît. Vous pouvez vous faire mal. D'accord? Donc la première option, ça va être. Donc je viens d'arriver mon tour. Donc droite-gauche pour toutes les options. D'accord? Première, je vais aller chercher mon coup de pied au sol. Plaque. Je vais contracter au niveau du bas du ventre pour venir amortir la chute au sol. D'accord? Donc deuxième note de piano, attention, c'est quand même rapide. Pam! Et je roule. Direct. Ok? La deuxième, on va le prendre de la même manière, à part qu'on va glisser un petit peu plus les pieds au sol avant de chuter. Donc il va y avoir un petit peu plus d'élan. Ok? Donc droite, gauche. Je vais envoyer mon glisser comme si j'étais au-dessus de quelque chose. D'accord? Comme si je passais au-dessus de quelque chose. Et je vais retomber de la même manière. C'est-à-dire que de suite, je rentre mon genou pour ne pas me faire mal. Et je roule pour remonter de la même manière. Donc si on le fait à fond avec l'élan, je viens faire mon tour. Poser, poser, glisse et monte. Et la troisième option, donc comme dans la vidéo, on le prend en sautant. Allez-y progressivement, surtout si vous ne l'avez jamais fait. Donc même chose, droite, gauche. C'est exactement le même principe que vous venez de faire. À part qu'on va lever les jambes vers l'arrière, d'accord? Ici. Et au dernier moment, avant de sauter, pour ne pas taper le genou dans le sol, on va venir rentrer, poser le côté du genou au sol, rouler et remonter de la même manière que les deux options précédentes. Donc, 5, 6, 7. 8, poser, poser, et shoot. Yes. Là, je veux beaucoup d'intention vers l'avant. Vous donnez, d'accord? Vous donnez au public, au spectateur, à qui vous voulez, et vous donnez tout ce que vous avez à ce moment-là. Allez, on revoit tout ce passage de la deuxième partie, on la termine, et après, on voit la deuxième partie en musique et la totalité. C'est parti, on est sur les genoux, main ancrée dans le sol, bras pour la diagonale derrière et regard sur la main droite de là. On vient refermer, chercher la main derrière les fesses, votre bassin au sol, viens chercher les mains derrière les fesses et les pieds devant vous. Je pousse, enfant, je monte, courbe, marche droite, marche gauche, piano, préparation, tour, je garde mon squat. Dans la même diagonale, je viens glisser ma jambe droite dans la diagonale gauche. Je pousse bien mon genou gauche au maximum dans l'en dehors. Je ramène ma jambe dessous, je pose mes mains. C'est que le petit élan de tête qui me fait changer les directions de jambe. Je viens replacer ma jambe gauche devant moi. Je n'oublie pas mon élan de bras pour le tour. J'envoie attitude parallèle, change de squat. Piano, premier. Deuxième, chou. Je vais chercher le sol. Je roule. Quand vous roulez, essayez de garder les pieds dans le sol. Je ramène ma jambe droite devant pour continuer de vivre avec toi. Donc là, on est en demi-point derrière. Le pied au sol devant, petite ouverture, hein. On ne va pas chercher trop vers l'avant parce qu'on va réavancer juste après. Donc deux vies, clac, le bras qui tire vers le plafond. Avec toi, c'est votre moment, le haut du corps, vous faites ce que vous voulez. Je recule un petit peu. Donc pour continuer de vivre avec toi, et là nous allons avoir deux notes de piano encore. On va sur la première, pousser. Clac, les mains vers l'avant, donc elles vont venir se croiser et pousser. En même temps, on va avoir une contraction forte
au niveau du bas du ventre et on va avancer la jambe gauche plus loin pour arriver dans une grande gâteau. Donc pour vivre avec toi, piano, piano. Donc une fois qu'on est dans la quatrième, deuxième note de piano, on va juste avoir à tendre les deux jambes. Elles restent au même niveau avec la demi-pointe derrière. Et les bras vont s'ouvrir, clac. On va venir serrer les omoplates derrière et sortir la poitrine, le sternum, ouvrir les épaules au maximum. D'ici, on va venir, donc ce bras, le bras qui est en haut, va venir chercher au niveau du visage et passer au niveau de la joue. D'accord ? Donc le bras droit qui vient par en haut, venir caresser la joue gauche. En même temps qu'on va faire ça, on va pivoter sur la jambe droite, clac, pour aller ici, changer et arriver encore. On est ici sur le deuxième piano et voir le temps d'esquinter, je change de jambe. Donc mon bras qui est passé sur ma joue, au moment où je change de jambe, passe sous mon menton pour venir lâcher. Esquinter, change et préparation pour une roue. Donc la roue, on va l'arriver en parallèle au sol. On ne va pas poser les fesses au sol. Donc la première jambe que vous allez poser ici, on va devoir ensuite switcher. D'accord ? Vous allez arriver à bouger comme ça. Vous allez switcher pour arriver ici en contraction et le bras devant vous fermé. D'accord ? Le poing fermé et la tête rentrée. Tac. Donc, on vient de faire menton. Relâche et switch ramène. Vous avez vu quand j'arrive, quand j'amortis au niveau de mes deux pieds, j'ai un retard de tête qui se crée et la contraction chou qui vient ici. Yes. Alors on fait de vivre. Donc vivre avec toi. Piano. Piano. Voir le temps d'esquinter. Là, à ce moment-là, c'est que du piano. La seule chose, il faut être à comme en bas, en mode contraction. D'accord ? Donc, esquinter, menton, change de pied. On va chercher de la préparation. Roulade amortie, comme. On va donner une impulsion vers le plafond avec son bras, son bassin et le regard. D'accord ? Au même moment, on va bien pousser sur son bras en appui au sol. On va tendre les jambes devant nous, les deux en même temps, et venir atterrir dans la même position. Comme il le fera. Pour moi, je vais envoyer ma jambe gauche dans une deuxième roue qu'on va voir juste après. Donc, comme il le fera pour moi, je vais envoyer ma jambe ici et je vais venir amortir mon coup de pied gauche. Comme les mouvements précédents, on ne tape pas sur le genou, on vient sur le côté de la jambe. Rouler sur les fesses et cette fois-ci monter avec le bras chou ici. Yes. Donc la deuxième roue, on ne va pas monter le dos, on va le laisser parallèle au sol, on va juste monter un petit peu les jambes. Pensez à bien amortir, à bien garder le poids sur les deux mains jusqu'à ce que vous rouliez. D'accord ? Si vous lâchez les mains trop tôt, forcément, le coup de pied va taper fort contre le sol. Donc, comme il le fera pour moi, et monte. Donc là, quand vous allez rouler sur les fesses et que vous montez, il est en train de dire, je veux être vieux. Et là, il va y avoir plein de petites notes de piano où on va prendre un tour en dedans cette fois-ci.
Donc, toujours coupé à la cheville. Le bras qui est arrivé ici en montant va repartir vers la gauche pour me donner l'élan, d'accord? Et il va directement monter et le bras droit va le rejoindre par le côté, ok? Donc, on est monté ici, je veux être vieux, chou, ici, yes. Donc, comme on disait, c'est un tour en dedans. Je tourne sur ma jambe gauche, vers la gauche, et ma jambe droite qui est retirée à la cheville derrière. Poum, je veux être vieux, piano, piano, piano. Donc, on va avoir un tour et demi, deux tours et demi, c'est comme vous le sentez. Par contre, j'aimerais qu'à la fin, il y ait, je monte, le regard qui va suivre, les bras qui vont relâcher et je vais fondre au sol. Pour ça, là, ma cheville, mon pied qui est raccourci à la cheville, va venir chercher le sol, donc quand je suis de dos, va venir chercher le sol, rouler et atterrir sur les genoux de dos. On refait de la remontée ici. Je veux être vieux. Papa, papa, pam, 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 pam. Et là, on va refaire le même mouvement de la première partie sur le âge. Main, coude au sol, attrape le cou, regarde le public. Le coude qui est pointé vers le plafond et la cambrure qui est accentuée, on pousse au niveau du buste et du nombril. D'accord ? Et de là, juste le dernier petit mouvement assez libre, vous allez relâcher le coude et étirement avec la tête. Si vous avez envie de faire de l'impro après, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais sinon, la choré s'arrête ici. Allez, on voit toute la deuxième partie sans musique, en mode un petit peu plus accéléré. Et ensuite, tout sans musique. Allez, on est sur les genoux, main, bras bien ancré dans le sol. Et reviens. Pose, bassin, pied. Pousse, relâche droite gauche, coude et spot, glisse, ouverture du genou, passe dessous, élan de la tête, remonte élan du bras, attitude et piano sur les marches, piano sur la chute, roule pour continuer de vivre avec toi, piano, piano. On passe la main sur la joue, on pivote, changement de pied avec la main qui passe sous le menton et roue amortie. Et j'arrive ici à comme il le fera pour moi. Je veux être vieux, tili, lâche, genou pour ceux qui ne le seront pas. Et je vais. Yes! On a terminé la deuxième partie. Je vous propose qu'on la voie en musique. Mes enfants.